Val d'Or presents. Redstone Info, la Redstone expliquée au nul par un nul. Surprise, surprise, je suis bien content de vous proposer cette nouvelle série qui trottait dans ma tête depuis un petit moment, donc Redstone Info. J'ai regardé rapidement hier, a priori, ce titre de série ou autre n'a pas été utilisé. Bon, j'espère ne pas me tromper, sinon je fais confiance à ceux qui l'utiliseraient déjà pour me le faire savoir. Et voilà, jusqu'à preuve du contraire, cette série s'appellera Redstone Info, la Redstone expliquée au nul par un nul, donc le nul c'est moi. Voilà, alors je me suis lancé finalement dans l'aventure, je vais vous expliquer pourquoi. Hier on a pas mal joué avec mon fils là sur une nouvelle map qu'il a créée. En créative. Et en fait, tout est parti d'un petit test que j'étais en train de faire, qui était en fait d'utiliser une nouvelle caractéristique des dispensers dans la future version 1.4 de Minecraft. Donc, ça a été introduit dans une snapshot dont je me rappelle plus exactement le numéro, mais qui permet de lâcher de l'eau et via un dispenser et de la redstone et de faire ravaler l'eau par le dispenser dès qu'on lance une nouvelle impulsion électrique en direction du dispenser. Voilà, j'espère que vous m'aurez compris. En tout cas, je galérais un petit peu, j'ai pas cherché bien longtemps, mais moi, ma première tentative était totalement infructueuse. Mon fils a vu ça, en fait il a créé une nouvelle map. Et on s'est dit, tiens, on va se faire un petit peu de redstone cet après-midi, donc hier, et 20 minutes plus tard environ, il m'a dit, tiens, papa, viens voir, et il m'a présenté un système qui marchait parfaitement vis-à-vis de l'objectif que je voulais me fixer, et le système, je l'ai trouvé assez épatant. Voilà, et là, je me suis dit, bon, vraiment, ça ne peut plus durer, mon fils m'a dépassé en connaissance de Redstone, en maîtrise de la chose. Et j'ai essayé de comprendre son système, alors j'ai passé un certain temps, ça a bien amusé mon fils, mais finalement ça n'a pas été du temps perdu pour moi, parce que j'ai fini par comprendre, et j'ai compris pas mal de choses en fait, en me creusant un petit peu les méninges. Vous avez en face de vous et en face de moi, je vais me reculer un tout petit peu, mais je vous expliquerai en fait pas cette fois-ci ce que c'est. Vous l'apercevrez certainement en fond d'écran, mais on fera une petite vidéo prochainement là avec mon fils et vous présentera un petit peu la carte qui se situe derrière moi. Voilà, donc ça c'est le fruit de quelques heures de jeu, un dimanche après-midi. Mon fils travaille très très vite en fait au niveau des montages redstone, là il m'impressionne, et tiens là on a des chauves-souris. Voilà, et le système en fait qu'il a pondu, si je peux m'exprimer ainsi, vraiment m'a impressionné. Alors il est là-bas, on va aller le voir. Il vous présentera lui-même en fait tout le reste, un petit peu de tout ce qu'il a fait. Il aime bien s'amuser, vous voyez, avec les notes blog pour faire de la musique, des choses comme ça. Et voilà, on va s'intéresser à ce système-là, qui est pas excessivement compliqué, mais qui est très intéressant à décortiquer. Et voilà, donc ça va être l'objet de ce premier épisode de Redstone Info. Et j'espère à vous expliquer le fonctionnement de façon suffisamment claire pour que vous compreniez. S'il y en a parmi vous qui sont déjà experts en Redstone, je pense que je vais pas leur apprendre grand chose. Pour ceux qui sont pas de grands spécialistes comme moi, ou ceux qui éventuellement seraient intéressés par la Redstone mais trouvent ça trop compliqué, écoutez, j'espère que je vais vous faire comprendre un petit peu comment ça marche. On va revenir un peu sur les bases de la Redstone quand il faudra. Voilà, de toute façon c'est un petit peu mon principe d'apprentissage. Que ce soit en redstone ou dans n'importe quel autre domaine, j'aime bien comprendre les bases de chaque chose, sinon je me sens un petit peu perdu, et c'est comme ça que je retiens le mieux les choses. Voilà, donc la redstone ne fait pas exception à cette règle. Alors je vais vous montrer. Donc le but de ce système,
et de faire s'écouler de l'eau. On va réafficher le HUD, voilà, ça sera plus pratique pour moi. De faire s'écouler de l'eau donc dans ce bassin et de la ravaler très rapidement. Alors, il n'y a pas forcément d'intérêt à la chose en soi, sauf d'étudier la redstone et d'en comprendre le fonctionnement. Donc, un dispenser tout bête dans lequel on a placé un seau d'eau, que voici. Et si on appuie sur ce bouton, regardez bien, voilà, l'eau se déverse et est ravalée immédiatement. Voilà, donc ça c'est déjà ce que j'avais tenté de faire moi tout seul dans mon coin, j'avais pas réussi. Mon fils a réussi en 2-3 mouvements, et j'avoue que quand j'ai regardé son montage, je comprenais pas très bien, alors ça a bien fait rire mon fils. Il dit pourtant c'est facile, oui d'accord c'est facile, mais moi j'aime bien aller au fond des choses comme je vous l'expliquais, et j'ai passé le temps en fait, alors je sais pas, peut-être une demi-heure, à bien comprendre comment ça fonctionnait. Alors pour vous expliquer grosso modo le type de composants qu'on a dans ce système, on a ici un pulse limiter, donc c'est un terme que vous avez très certainement déjà entendu. Moi aussi je le connaissais, j'avais vu récemment un ou deux tutoriels pardon, de Hypierre sur la redstone, qui ma foi était pas mal foutu. Par contre au fur et à mesure de sa vidéo en fait sur les. Alors laquelle était-ce? Je suis pas sûr de me rappeler exactement. Notamment dans cette vidéo, il présentait les pulses limiteurs et d'autres types de systèmes de redstone, des systèmes de base, qui comme Hypierre le disait, qu'il est bon de connaître parce qu'on peut les réutiliser une fois qu'on a compris le principe et le but de tel ou tel montage, hein, je dirais. Ça nous permet de les réutiliser pour faire des constructions, en tout cas arriver à un résultat qu'on veut se fixer. Donc voilà, ici on a un pulse limiter, donc je vous expliquerai ce que c'est et à quoi ça sert. Et ici on a une horloge. Donc une horloge c'est quoi? C'est un courant de redstone qui tourne de façon circulaire. Et qui va, alors par exemple, si on prend ce fil de redstone ici, le fil va s'allumer, va s'éteindre, va s'allumer, va s'éteindre, etc., etc. Voilà, donc ça c'est une horloge, ça c'est un pulse limiteur. Voilà, ce que je vais vous expliquer aussi, et ça en fait je l'avais découvert il n'y a pas forcément très longtemps, ce sont ce qu'on appelle les tics dans Minecraft. Alors, les tics, qu'est-ce que c'est? Je vais commencer l'explication par là. Alors, en fait, les tics, donc T-I-C-K en anglais, qui est une sorte, on pourrait dire, un top. Imaginez une horloge, je vais reprendre l'analogie avec l'horloge. À chaque fois que, par exemple, l'aiguille des secondes va avancer d'un cran, on va dire que c'est un tic. Voilà. Alors, on a deux types de tics dans Minecraft. Le premier sert à faire fonctionner le jeu. C'est-à-dire que tous les vingtièmes de seconde, en fait on a 20 tics dans une seconde dans Minecraft. Donc tous les vingtièmes de seconde, le jeu va faire évoluer un petit peu l'environnement et le monde. Donc par exemple, sur certains tics, il va mettre à jour un certain nombre de blocs. Des blocs, je sais pas, des blocs qui contiendraient du blé. Le jeu va voir de manière aléatoire s'il faut faire pousser le blé. De la même manière, le jeu va générer un mob. Alors un mob neutre, par exemple, une vache, à un certain endroit de la carte. Voilà. Donc 20 fois par seconde, le jeu va prendre un certain nombre de décisions. Et c'est comme ça que le monde évolue dans Minecraft. Donc ça, ce sont les tics de base, je dirais, dans Minecraft. Donc retenez bien qu'il y a 20 tics par seconde.
En matière de redstone, on a également une notion de tick. Par contre, la durée des ticks est, je dirais, deux fois plus longue. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 20 ticks par seconde, on n'en a plus que 10. Ce qui s'avère très pratique en fait pour faire des calculs. Donc dans une seconde, on va avoir 10 ticks pour faire fonctionner un système de redstone. Alors comme vous le savez peut-être, par exemple, un bouton, quand on appuie dessus, il va rester enfoncé une seconde. Voilà, j'espère ne pas vous raconter de bêtises, mais j'ai tellement analysé ce système que, à partir des connaissances que j'ai pu accumuler ces derniers mois, là, en regardant des tutoriels et en lisant le wiki Minecraft, je pense ne pas me tromper. Donc quand on enfonce un bouton, il va rester enfoncé pendant une seconde et revenir à sa position initiale. Voilà. Pendant cette seconde qui va s'écouler, on va pouvoir la diviser en 10, en dixième de seconde, et on va pouvoir décomposer du coup, je dirais la circulation du courant dans ces fils de redstone et dans ces repeaters. Voilà. Donc pour résumer, ne confondez pas les tics qui n'ont pas de nom particulier, me semble-t-il, mais en tout cas qui servent à faire fonctionner le jeu à la base et à faire évoluer le monde, voilà, selon un certain nombre de règles, et les tics qui s'appliquent à la redstone, voilà, et qui se comptent en dixièmes de seconde. Voilà. Alors, on va commencer par revenir un petit peu sur les bases de la redstone et justement la transmission du courant à travers les fils de redstone. Alors, il faut savoir une chose, et là je vais me tourner, j'ai un petit peu préparé hier, quand j'étais encore avec mon fils, ce tutoriel, on va appeler ça un tutoriel, soyons fous. Voilà, du coup tout est préparé, ça va être plus facile pour moi. On va étudier les bases, voilà, de la circulation du courant dans un fil de redstone. Alors, comme vous le savez, un bouton qu'on enfonce va entraîner va plutôt générer un courant électrique ou un courant de redstone, c'est tout à fait équivalent. Ce courant va être transmis au bloc là qui supporte le bouton. Et si on a de la redstone autour, alors sur les blocs adjacents, directement adjacents, celui-ci, 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 voire celui-ci, quoi qu'ici on pourra pas poser de fil de redstone parce qu'il y a déjà le bouton. Mais si on pose de la redstone ici, ça fonctionnera. Sur le bloc aussi, ça va en fait alimenter donc le fil de redstone. Bon, ça vous le savez, hein, je vous apprends rien. Ce que je vais vous expliquer, on va casser ce fil là, dans un premier temps. Alors, deuxième, oui, petit rappel, comme vous le savez aussi très certainement, c'est qu'un fil, en tout cas le courant peut courir le long d'un fil de redstone sur une distance maximum de 15 blocs. Voilà, donc on peut les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. C'est la distance maximum, c'est-à-dire que si on poursuivait le fil de redstone, on se rendrait compte en alimentant ce fil par un courant électrique que le courant irait jusque-là, par contre le fil sur le bloc adjacent ne serait pas alimenté. Bon, voilà, donc rien de nouveau pour vous. Voilà, alors par contre ce que je voulais pardon, vous expliquer, avec ce montage très simple, avec une porte en fer là au bout, qui bien sûr va s'ouvrir dès qu'on l'alimentera grâce à ce fil de redstone, c'est qu'en fait à partir du moment, et je vais remettre un petit peu de lumière, on va se mettre en 150, voilà, c'est qu'à partir du moment où on injecte du courant dans un fil de redstone, le courant va être transmis instantanément, je dis bien instantanément, jusqu'au bout du fil. Voilà. Alors, on peut le voir, de toute façon, ça y est, je me suis perdu. On peut le voir en fait en alimentant, enfin plutôt en pressant sur ce bouton. Et vous allez voir qu'à partir du moment où j'appuie sur le bouton, la porte va s'ouvrir immédiatement. Voilà. Alors, le bouton est resté enfoncé pendant une seconde, soit 10 ticks de redstone.
Dès que le courant, dès que le bouton est revenu à sa position initiale, donc il n'y a plus de courant en fait généré dans ce bloc, et par conséquent dans ce fil, le fil de redstone s'éteint et la porte se referme. Mais vous remarquerez que c'est vraiment immédiat. Voilà. Alors, pourquoi je vous explique ça? C'est justement pour vous expliquer un petit peu les délais. Les délais qui peuvent se produire dans la transmission du courant de Redstone avec un certain nombre d'objets. Parmi ces objets, le repeater. Alors le repeater, je vous le disais tout de suite, effectivement, si on en place un là, il va permettre effectivement de répéter le courant électrique. Il va donc prendre en entrée le courant qui va arriver avec une faible intensité au niveau de ce bloc. Ça va entrer donc le courant dans le repeater et en sortie, le courant va reprendre un peu enfin un peu même tout à fait son intensité de départ. Voilà, donc c'est pour ça qu'on appelle ça un repeater. Ça permet de recharger le courant et de permettre en fait sa propagation sur une distance plus longue que 15 blocs. Par contre, un repeater en fait, on appelle ça parfois aussi un delayer, pardon, en anglais. Parce qu'il faut savoir en fait que le repeater induit en fait un certain délai. Un certain délai qui en fait va dépendre du réglage qu'on a apporté au repeater ou au delayer. Si on garde le repeater dans sa position d'origine, vous savez qu'on a tendance, enfin, plutôt coutume de dire qu'il est positionné sur un tick, ou deux, ou trois, ou quatre. Voilà, donc ça désigne précisément le délai qu'on va appliquer au courant de Redstone. Donc, au minimum, un repeater va avoir une fonction de délai de 1 tick. Voilà, c'est la configuration que vous voyez ici à l'écran. Et je vais remettre d'ailleurs un fil de redstone ici, casser celui-ci pour l'instant. C'est-à-dire, en fait, et là, on va s'attacher en fait à la deuxième porte ici, qui est donc une porte en bois. À partir du moment où on va injecter du courant dans ce fil de redstone, je vous le rappelle, le courant va atteindre immédiatement le bout du fil. Donc idem ici, sauf qu'ici il rencontre un repeater qui est donc configuré sur un délai de 1 tick. Donc ici on a vous le verrez, alors ça va être évidemment très rapide, et je pense que je vais le positionner plutôt sur 4 ticks pour que ça soit plus visible. Mais si on raisonne là par rapport à un tick, le courant en fait va être stoppé en entrée pendant un dixième de seconde à cause de ce paramétrage un tick. Et au bout d'un dixième de seconde, le courant va entrer dans le repeater et ressortir immédiatement pour aller jusqu'au bout. Voilà. Donc logiquement, à partir du moment où on va appuyer sur le bouton qui se situe là-bas, le courant va arriver instantanément ici, et un dixième de seconde plus tard, il va arriver au niveau de cette porte en bois. Alors, pour que ça soit plus visible, on va le mettre à 4 ticks, donc au quatrième cran. Donc là, vous l'aurez compris, il va y avoir un délai de transmission du courant entre ce bloc et celui-ci et les suivants, de 4 dixièmes de seconde, très exactement. Et là, ça commence à être perceptible à l'œil nu. Donc vous regardez bien la porte en fer qui va s'ouvrir instantanément, donc je vais appuyer sur le bouton, et la porte en bois qui va s'ouvrir avec un tout petit décalage. Voilà. Idem pour la fermeture de la porte. Imaginez donc que les deux portes sont ouvertes, le courant circule dans tout ce système, enfin dans tous ces fils de redstone. Le bouton va revenir à sa position initiale, ce qui veut dire plus de courant dans le bloc, plus de courant dans le fil de redstone. On va donc dire par commodité que le courant passe à zéro, donc absence de courant. Cette absence de courant va être transmise instantanément à la porte en fer, mais de la même manière, il va être transmis
cette absence de courant, instantanément au repeater. Le repeater va appliquer un délai de 4 ticks, donc 4 dixièmes de seconde, et au bout de 4 dixièmes de seconde, en fait, là, le courant est toujours alimenté, ainsi que le repeater, mais au bout de 4 dixièmes de seconde, le repeater va s'éteindre, le fil ici de redstone va s'éteindre, et la porte va se refermer instantanément. Au bout de 4 dixièmes de seconde, la porte se referme instantanément. Voilà, donc je vous laisse regarder ça une nouvelle fois. Voilà, courant s'arrête, ici. Il est temporisé pendant 4 dixièmes de seconde au niveau du repeater, et le courant s'arrête jusqu'au bout, jusqu'à la porte. Voilà, je vous le refais une dernière fois. Il s'arrête, et c'est transmis à la porte. Voilà, voilà, pour ces règles de transmission du courant. Et ça, je voulais revenir dessus, parce que je suis pas sûr que tout le monde connaisse ce fonctionnement de base. Moi, c'est le genre de question que je me pose, et que je me pose depuis un certain nombre de mois maintenant. Voilà, et maintenant, je crois que j'ai compris un certain nombre de règles de base, donc je vais les partager avec vous. On va remettre ce fil de redstone pour continuer les explications. Avant d'aller plus loin, on va l'expliquer tout de suite. Donc je vous ai dit en fait que voilà, le repeater induit et même impose un délai dans la transmission du courant. C'est également vrai pour les torches de redstone. Alors comme vous le savez, alors là on va venir ici. Une torche de redstone à la base est en fait un élément qui va générer en permanence un courant électrique. Voilà, on le voit, hein, on pose une torche de redstone, elle est éclairée, et évidemment, on va casser ça pour l'instant. Évidemment, si on met de la redstone sur un bloc adjacent à la torche, le fil est immédiatement alimenté. Donc le principe c'est celui-ci, c'est que le courant autour d'une torche de redstone donc alimente les blocs directement adjacents, alors pas en diagonale. Évidemment, si je pose de la redstone ici, ça ne fonctionne pas. Donc c'est véritablement pas en diagonale justement, mais sur les blocs adjacents qui sont collés aux blocs là qui supportent la torche de redstone. Et en fait le courant est également transmis sur le bloc supérieur, un bloc qui serait posé juste au-dessus de la torche de redstone. Alors on va refaire ça. Alors là, croyez-moi ou pas, j'espère que vous me croyez, et puis là je pense que pour la plupart d'entre vous je n'apprendrai rien, mais ce bloc est maintenant alimenté en courant électrique, même si ça ne se voit pas. Alors comment le voir? De manière toute simple, on va poser de la poudre de redstone au-dessus, et vous voyez que la poudre est alimentée. Voilà, donc c'est bien la preuve qu'il y a du courant qui est transmis dans ce bloc. Donc voilà, un petit peu pour le rappel sur les règles de transmission du courant à partir d'une torche de redstone. Voilà, deuxième règle en fait de fonctionnement des torches de redstone, c'est que même si une torche de redstone à la base est alimentée en permanence, la torche de redstone en fait peut changer d'état, c'est-à-dire qu'une torche allumée peut s'éteindre. Alors comment? C'est tout bête. Sachant que c'est un générateur de courant, imaginez qu'on insuffle ou qu'on envoie un courant de redstone dans une torche de redstone, ça va avoir pour conséquence d'éteindre la torche. Voilà, donc c'est-à-dire que si je mets une torche au-dessus, à la place de cette poudre, vous voyez, la torche de redstone qui normalement aurait dû être allumée en permanence est éteinte parce qu'elle reçoit du courant électrique à partir de cette autre torche. Voilà, ça traverse le bloc et ça vient éteindre la torche de redstone. Voilà, alors pourquoi je vous explique ça? C'est parce que
pour qu'une torche passe d'un état à un autre, alors soit de l'état allumé à l'état éteint, ou inversement, de l'état éteint à l'état allumé, par exemple, si j'enlève cette torche de resto d'en dessous, celle du dessus va s'allumer. Et bien en fait, pour arriver à ce résultat, il va se passer un tic, justement. Voilà. Donc il faut bien garder ça à l'esprit parce que c'est le genre de délais qui sont imposés par la Redstone, hein, c'est comme ça qu'elle fonctionne, il faut pas chercher plus loin. Mais c'est très important de le savoir parce que voilà, à partir du moment où je vais poser une torche sur ce bloc, celle-ci ne va pas s'éteindre immédiatement, mais va s'éteindre un tick plus tard, donc un dixième de seconde plus tard. Voilà, on va remettre le jour. Donc ça n'est pas forcément visible, hein. Un dixième de seconde, un tick, c'est très très rapide. Alors surtout que là, je vais avoir du mal à vous montrer. Voilà. Et bon, croyez-moi sur parole, il se passe bien un dixième de seconde avant que cette torche ne s'éteigne. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors oui, on peut effectivement poser donc les torches à la verticale, hein, sur un support, que ce soit le sol ou un bloc, la poser en hauteur, peu importe. Par contre, toujours pour faire un rappel là sur les bases de la Redstone, et là j'ai même un trou de mémoire. Toc, 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 comment on va vérifier ça? La torche de Redstone donc alimente ce fil de Redstone et logiquement alimente ce bloc. Alors on va le vérifier en posant deux blocs. Alors pourquoi je pose deux blocs? Parce que si je ne faisais pas ça et que je pose de la poudre de redstone là au-dessus du bloc, vous voyez que les deux fils en fait se relient automatiquement. Alors forcément, le fil sur le dessus du bloc vert là va être alimenté puisqu'il est directement relié avec ce fil-ci. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si on veut couper en fait cette liaison, si on veut couper cette liaison, on va poser un bloc ici. Alors un bloc opaque, c'est très important parce que les blocs translucides tels que des blocs de verre ou des blocs de glowstone laissent passer le courant en fait entre le fil qui est ici et le fil que je vais poser ici. Voilà, mais avec un bloc opaque, ça coupe véritablement la transmission du courant. Donc maintenant, si je vais poser une poudre de redstone ici et qu'elle s'allume, ça voudra, en tout cas, ça sera la preuve que ce bloc-ci est alimenté en courant grâce à ce fil de redstone. Attention. Et non, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Très intéressant. Et la chauve-souris vient se moquer de moi. C'est pas très malin, ça. Alors, très bien, très bien. Donc, du coup, c'est pas ça que je voulais vous expliquer. Oui, tiens, c'est un fonctionnement qui m'étonne un peu. Bah, écoute, on va pas s'attarder là-dessus. Sinon, on n'ira jamais au bout de l'explication. Je voulais vous expliquer, c'est que si je pose une torche ici, une autre torche de redstone, elle ne s'éteint pas. Elle ne s'éteint pas. Alors peut-être effectivement parce que, et là il faudrait vraiment que je fasse des tests. Là j'ai peur de vous dire des bêtises, mais peut-être parce que simplement ce bloc n'est pas alimenté. Ce qui en même temps est faux, parce que les torches, vous le savez, on peut les poser sur les côtés latéraux là d'un bloc, comme ceci. Et là vous voyez que la torche s'éteint. Donc c'est bien la preuve malgré tout. Malgré tout, que le courant est bien transmis à l'intérieur de ce bloc, ce qui est détecté par la torche, et la torche s'éteint. Alors, de la même manière, cette torche-ci va s'éteindre au bout. D'ailleurs, on va la mettre sur le côté, là, ce sera plus visible. Cette torche va s'éteindre au bout d'un tick, au bout d'un dixième de seconde. Voilà. Bon, c'est très rapide, on ne voit rien. Voilà, mais croyez-moi, il s'est bien passé un dixième de seconde avant que l'effet ne se produise. Par contre, par rapport à ce système, là, je comprends pas que la poudre de redstone au-dessus ne soit pas alimentée si le bloc l'est.
Oui, là c'est un mystère. Bah écoutez, si vous avez la réponse, laissez-moi la réponse en commentaire. Là, je serais très curieux de savoir pourquoi. Ouais, encore quelque chose que j'ai pas bien compris. En tout cas, ce que je voulais vous démontrer, c'est que pour reproduire, par exemple, cet effet de délai de 4 dixièmes de seconde qui provient en fait de ce repeater réglé au quatrième tick, on peut reproduire ça donc avec des torches, simplement avec des torches de redstone. Donc voilà, je reproduis ce que j'ai fait là-bas. Donc le courant va arriver ici, et au bout d'un tick, donc d'un dixième de seconde, va éteindre cette torche, ce qui va éteindre cette poutre de redstone, pardon. Plus de courant dans ce bloc veut dire que cette torche, un tick plus tard, donc ça nous fait déjà deux ticks, cette torche va se rallumer, entraîner du courant ici, dans le bloc. Un tick plus tard, ça nous fait donc trois ticks, cette torche va s'éteindre, ainsi que ce fil de redstone, plus de courant dans ce bloc, et un tick plus tard, ce qui nous fait quatre ticks, cette torche va s'allumer, et vous voyez que la torche là est située au-dessus de ce bloc-là, donc juste à côté de la porte. Donc, si cette torche s'allume, cette porte va s'ouvrir. Alors, comment vérifier que je ne raconte pas de bêtises? Eh bien, on va aller appuyer sur le fameux bouton. D'ailleurs, je vais couper ce fil parce que c'est pas très intéressant du coup. Ce qui va être intéressant du coup, donc, ça va être de regarder ces deux portes en bois et de vérifier qu'elles vont effectivement s'ouvrir strictement au même moment et se refermer également au même moment. Alors, regardez. Et voilà. Je crois que la démonstration est très claire. Au dixième de seconde près, les deux portes s'ouvrent au même moment. Donc c'est donc bien la preuve que pour qu'une torche de redstone change d'état, donc soit qu'elle s'allume, soit qu'elle s'éteigne, en fonction de son état initial, il va s'écouler un tick, donc un dixième de seconde. Donc voilà, donc si on place des torches de redstone comme ça en série, et qu'on en a quatre, eh bien effectivement, avant que le courant n'arrive jusqu'à la porte, il va s'écouler 4 ticks. C'est donc strictement équivalent à ce repeater qui est paramétré sur le quatrième tick. Voilà. Enfin, en tout cas, qui va entraîner un délai de transmission du courant, un délai de 4 ticks. Voilà. Voilà, on va reconstruire le système. Je pense que c'était à peu près tout ce que je voulais vous expliquer. Donc du coup, ça va être intéressant en tout cas de bien avoir compris ça, pour bien comprendre ce système.